Pourquoi les gens ont peur de moi ici? Ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Jules au Pays de la Chaise, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jules, qui habite dans le nord du Québec. Ça se passe dans les années 1940. Il est atteint d'une maladie rare de la peau, ce qui fait qu'il est assez rapidement ostracisé par tous les enfants à l'école. Mais son seul ami, c'est son chien Flagrant. À un moment donné, Flagrant, il va se sauver dans la forêt, puis il va avoir le courage d'aller essayer de le retrouver. Puis c'est là qu'il va faire la rencontre d'une fille autochtone qui s'appelle Asha, qui va vivre plein d'aventures. Ma maman va pouvoir te guérir. Tu peux m'emmener la voir? Mes parents ont disparu quand j'étais petite. Cette histoire-là aussi est magique. Elle est vraiment... Elle a un sens qui ressort, puis ça fait que l'histoire est magique, puis ça parle d'amitié. L'idée du film est venue parce que j'avais vraiment envie de parler de l'imaginaire de l'enfance, puis de comment on se sert de notre imaginaire quand on est enfant pour passer à travers des périodes qui sont difficiles. Je te laisserai pas tomber, Julie. Promis. Promis. C'est un conte fantastique pour toute la famille. Qui va plaire aux enfants, mais va aussi plaire aux adultes. Parce qu'il y a de la magie, de l'amitié, de la réconciliation surtout. Puis je pense que tout simplement, le monde qui regarde le film va être émerveillé par la forêt, les lacs, le canot. C'est un conte un peu poétique, un peu magique, qui nous replonge, nous, je trouve, dans l'enfance et dans la contemplation de la beauté, de l'humanité,